Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon week-end. On va voir ensemble les énergies de ce lundi 13 avril 2020. Alors, qu'est-ce qui t'attend? C'est ce qu'on va voir de suite. Attente ou pas, ouais. Attente, après la malchance, on attend des décisions. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, à mon avis, là, on parle clairement du discours du président. Pour moi, là, et à cette attente de décision, après bah, ce qui nous est tombé dessus là, cette attente de trancher, pour moi, cette attente est liée au discours du président. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les énergies de ce lundi 13 avril. Ok. Le consultant. Voilà. Vous avez besoin de savoir. Bien sûr, quelles vont être ces décisions. Ok. Il y a quand même... Donc après quelque chose, après une perte, après quelque chose où tu t'es senti trahi, et quand même la force qui reprend la joie par rapport à des projets. Parle d'amélioration. On va voir ce que va nous dire cet oracle. Ouais, donc là, il y a des doutes. Okay. Il y a une porte qui s'ouvre quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose de positif hein, demain. Demain, oui, il y a beaucoup de... Voilà, il y a des doutes par rapport à des décisions, mais on a l'ouverture. C'est un peu comme la carte des projets, l'amélioration. Ça rejoint ça. On parle de sagesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Hop, elle est tombée. Il y a l'alpha, ça rejoint comme ça le début de quelque chose. Le début de... Ça, c'est le début d'une nouvelle période, ça. Hein. Le début d'un nouveau cycle. Demain, ça annonce le début d'un nouveau cycle. Demain, ça va être une journée importante. Hein. Demain, j'ai tiré beaucoup de cartes. Vraiment, j'ai tiré beaucoup de cartes, mais je sens que demain, c'est une journée très, très importante. Sachant qu'en plus, il y a le discours d'Emmanuel Macron. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que
tu es en attente par rapport à des décisions, par rapport à cette situation qui nous est tombée dessus un peu comme une malchance. Tu as des doutes par rapport à ces décisions, qu'est-ce qui va être pris, quelles décisions vont être prises. Là, on voit que tu as besoin de savoir. Il y a vraiment cette... Là, tu as besoin de savoir. Ce discours va être important. Mais malgré là, encore... une carte qui est négative, ça c'est une carte négative, ça c'est une perte, c'est un vol, une trahison, où tu te sens encore trahi. Il y a quelque chose de positif parce qu'on parle de force, de joie, de projet. Donc il y a quelque chose de positif là qui va arriver. Hein. On parle d'une porte. D'une porte, c'est une quelque chose de une ouverture. Une ouverture quand même, on parle vers l'amélioration. Et cette porte-là qui va déboucher sur un nouveau cycle. Là, demain, ça va être vraiment un nouveau cycle. Le début de quelque chose. Le début de quelque chose de nouveau. Ouais, ouais. Le début de quelque chose de nouveau. Oui, une page blanche. Il y a des épreuves encore. Hein. Il va encore avoir des épreuves. Ok, des défis. Allez, un conseil pour ce lundi 13. Lâcher prise. Ok. Lâcher prise. Ça. Et on dit derrière, la situation va s'améliorer. Lâcher prise, la situation va s'améliorer. Je vois quand même deux fois l'amélioration. Donc, bah, j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous dire ce président. Hein. Que j'ai bien l'impression que là, tout tourne autour de ça. Bon, en gros, là, ne ruminez pas toute la journée en attendant le discours du soir. Hein. Lâchez prise, là on parle quand même d'amélioration et ici encore de la situation va s'améliorer. J'ai l'impression que ce tirage est quand même positif malgré ça. Alors je ne sais pas ce qu'il va annoncer. C'est la seule carte on va dire négative. Ça peut être après cette sentie trahie. Hein. On a la force qui revient, la joie, les projets, mais j'ai que des... Là vraiment il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Là, vraiment, ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est qu'il y a quand même des choses positives qui arrivent. Alors, peut-être que demain, ça ne sera pas de suite ce nouveau cycle qui va commencer, mais il y a ce processus qui se met en place. Parce qu'ici, on parle de joie, de projet, d'amélioration, d'un nouveau cycle. Et j'ai encore cette carte, la situation va s'améliorer. Donc, il y a quand même quelque chose de pas mal là hein, qui arrive. Hein. Allez, je vais te tirer une carte. Une carte que je dois te transmettre. Un message que je dois te transmettre pour ce lundi 13 avril. Hop. En cours de téléchargement. Bah, dis donc. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est qu'il y a quelque chose de positif là qui est en train de se mettre en place. Vraiment. Donc là, c'est sympa. C'est très sympa. Donc là, c'est un peu comme si tu étais en train de télécharger la nouvelle mise à jour sur ton iPhone. Donc, laisse-le. Voilà, il est en train de télécharger ça et ensuite tu pourras le reprendre et tout marchera bien
etc. Bah là, c'est pareil. Là, on dit de lâcher prise et que ça va s'améliorer. Là, c'est en cours de téléchargement. Donc, ok, genre, très bien. Tu lâches prise et confiance dans le processus. Ça va bientôt repartir. Ce tirage t'a plu, merci de mettre un pouce vers le haut, abonne-toi et active la cloche pour avoir les nouvelles notifications dès qu'une de mes vidéos sort. Et je te souhaite une très belle journée.